Prions le Seigneur, remettons ce moment. Tel que tu es venu devant Dieu cet après-midi. Et nous avons donné l'image de la femme à la perte de sang. Et c'est vraiment l'attitude dans laquelle le Seigneur veut que tu viennes devant lui cet après-midi. Peu importe la foule qu'il y a autour de toi, peut-être les pensées, peut-être des personnes ou quoi que ce soit t'ont même empêché de venir, comme c'était le cas de la femme à la perte de sang, mais cet après-midi que tu puisses dire, je ne partirai pas de ce lieu sans avoir touché Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui était là, plusieurs personnes le pressaient, plusieurs personnes le touchaient. Mais il peut dire, lorsque cette femme m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. La différence, c'est que cette femme est venue avec vraiment cette attente, cette attitude de foi. Et que tu viennes vraiment avec cette attitude de foi cet après-midi. Père, nous te prions, nous remettons ce culte entre tes mains. Bien-aimé Saint-Esprit, dirige toutes choses et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Nous voulons dans cette continuité exalter notre Dieu. Nous allons prendre ce chant qui dit « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. » Alléluia. Tu es exalté, Seigneur. Et tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité règnera. Des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jamais il est exalté. Nous disons gloire à son
est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. À jamais, à jamais. À jamais il est exalté, à jamais, gloire sans sa nom, à jamais il est exalté, nous disons gloire, gloire sans sa nom, à jamais il est exalté, à jamais, gloire sans sa nom, nous disons à jamais, nous disons à jamais, nous disons à jamais, gloire sans sa nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, oh. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Son nom est merveilleux et son nom est redoutable. Oh, ce nom est merveilleux. Oh, ce nom est formidable. Par ce nom, oh, nous avons la guérison. Oh, ce nom, par ce nom, Jésus. Jésus, tu n'as pas voulu, Seigneur, les cieux sans nous. Même lorsque tu es parti, tu as prié, Seigneur, afin que nous soyons préservés, Seigneur. Et Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de ta prière, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, au travers de cette prière, Seigneur, tu nous demandes combien tu nous aimes, Seigneur. Tu as prié pour nous, Seigneur, afin que nous ne tombions pas. Tu as prié pour nous, Seigneur, afin que lorsque même nous tombions, Seigneur, nous soyons relevés. Parce que tu as dit, mon juste tombera sept fois et sera relevé. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as dit, n'ayez crainte, je serai avec vous jusqu'à la fin. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ. En toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Sa
beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu oui, mon péché. Ton amour. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, oh, ce nom est glorieux, oh, ce nom est si glorieux, oh, oui, ce nom est glorieux, oh, sa beauté sans pareil, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Le que nous pouvons élever notre voix en ces instants pour proclamer la puissance qu'il y a dans ce merveilleux nom, proclamer les bienfaits qu'il y a dans ce nom, proclamer que par ce nom, alléluia, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Par ce nom, alléluia, la terre tremble. Par ce nom, la parole déclare que les disciples étaient en train de prier. Et nous savons que c'est par ce nom qu'ils étaient en train de prier. La parole déclare que le lieu, ils étaient se mis à trembler. Et nous savons qu'en ce nom, Seigneur l'Éternel Dieu, il y a des prodiges et des miracles. C'est par ce nom que la piscine de Bethesda, Seigneur, se mit à remuer. Nous savons que l'Éternel Dieu de gloire, Seigneur, c'est par ce nom, Seigneur, que le paralytique devant la porte, la belle, Seigneur, a pu se lever, Seigneur. C'est par ce nom, Seigneur. Ah, lorsque Bartimée a entendu ce nom, il s'est levé promptement, Seigneur. Il a dit, fils de David, fils de David. Et c'est par ce nom que nous voulons faire trembler ce lieu. Nous voulons faire trembler ce lieu de la merveilleuse puissance manifestant ce nom. Oh oui, Jésus, 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 Jésus. Le seul nom qui guérit, le seul nom qui pourvoit, le seul nom. J'irai, j'irai. En ton nom, il y a la manifestation de l'amour. En ton nom, il y a la manifestation, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Fais trembler, Seigneur, l'incrédulité en nous cet après-midi. Fais trembler. Seigneur, l'après-midi, Seigneur, l'incrédulité. Nous prions, Seigneur, que le voile, Seigneur, du mensonge disparaisse. Que le voile, Seigneur, alléluia, de l'incrédulité, se soit déchiré par ce nom tout puissant. Alléluia, Jésus. 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 La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Du haut en bas, désarmant la mort et le péché. Incrédule, où est ta puissance? Les cieux chantent.
victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe. Amen. À tout jamais. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe. À tout jamais. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est tellement merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom détient la victoire et non l'échec. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom, sa beauté sans pareil. Sa beauté sans limite. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom, le nom de Jésus. Le nom du redoutable et puissant et fort. Le nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Le nom de Jésus. Ton nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom, Seigneur, tout-puissant qui est au-dessus de tout. Ce nom triomphant. Le nom de Jésus. Ce nom qui délivre. Ce nom qui guérit. Ton nom est si merveilleux, Seigneur Jésus. Ce nom qui vaut bien plus que l'or et l'argent que le monde peut nous donner. Ce nom qui vaut bien plus que toutes les pierres précieuses réunies sur cette terre. C'est ton nom, Jésus. Oh, merci pour ce nom merveilleux, Seigneur Jésus. Oh, Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te remets, Seigneur, ta parole entre tes mains, Jésus. Je te remets entre tes mains, Seigneur Père, ce moment, Seigneur. Parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur. Et c'est toi qui as autorité dans ta maison, Seigneur Jésus. Lorsque je vais chez une personne, je respecte, Seigneur, son toit. Parce que c'est cette personne qui est l'autorité de la maison. Et aujourd'hui, en ce dimanche,
Nous nous sommes dans ta maison, Seigneur. C'est pourquoi, Père, prends toute la place. L'autorité t'appartient, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu. Cet après-midi, nous voulons être attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire. Nous voulons être ces enfants obéissants. Ces enfants, Seigneur Jésus, qui s'humilient devant ta face, Père. Parce que nous ne sommes pas n'importe où, Seigneur. Mais nous sommes dans ta maison, Père. C'est pourquoi, Jésus, cet après-midi, nous voulons nous soumettre à ta parole, nous soumettre à ta volonté, nous soumettre, Seigneur Jésus, oui, à ce que tu veux, toi, et non ce que nous voulons, nous, Seigneur. Oh, mon Dieu, merci. Merci de nous accueillir. Merci, mon Dieu, pour ce voile qui a été déchiré. Merci pour l'accès que tu nous as donné auprès du Père, mon Dieu. Oh, mon Dieu, cet après-midi, nous te sommes reconnaissants encore, mon roi. Parce que, Seigneur Jésus, ton nom est victorieux. Et avec toi, nous avons eu la victoire, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci, Jésus, pour ce que tu vas faire, mon Dieu, encore en ces instants, mon Dieu. Nous voulons nous laisser enseigner par ton Esprit Saint. Nous voulons nous laisser même, Seigneur, s'il faut réprimander par ton Esprit Saint, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter, pour pouvoir grandir, Seigneur, avec toi, Jésus. Nous ne sommes rien, Seigneur. Mais c'est toi qui es tout, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne la capacité. C'est toi qui nous donne l'énergie. C'est toi qui nous donne ce dont nous avons besoin pour avancer, pour pouvoir courir, pour pouvoir, Seigneur Jésus, soulever, Seigneur Jésus, des poids. Si aujourd'hui nous nous tenons debout, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par ma propre volonté si je respire, mais c'est parce que toi tu l'as voulu. Parce que tu sais ce que tu as placé en chacun d'entre nous, Seigneur. Et ton plan n'est pas fini pour notre vie, Seigneur. Merci encore, Jésus, pour ce que tu vas accomplir, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien cet après-midi? Lorsque l'on chantait ce chant, le couplet qui dit « La terre a tremblé ». Le voile s'est déchiré. Je lisais ce couplet, mais ça, c'est un chant de victoire. Quand je lis ces paroles, je prends conscience que j'ai gagné parce que Christ a gagné. N'est-ce pas? Parfois, nous sommes envahis par le doute, nous sommes envahis par les peurs, nous sommes envahis par les angoisses. Mais lorsque nous chantons ce chant, ce chant ne laisse pas de place à la peur. Il y a un mot qui a attiré mon attention. Je ne sais pas si dans ce couplet, il y a un mot qui attire votre attention. Désarmant. Il l'a désarmé à la croix. Il a désarmé notre peur. Il a désarmé nos angoisses. Il a désarmé notre crainte. Il a désarmé tout ce qui pouvait se passer devant nous à la croix. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire. Il l'a déjà fait. Quand je lisais ces paroles, quand on chantait ce chant, je me disais, Seigneur, désarmant la mort et le péché. La mort n'a plus aucun pouvoir. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Parce que sur la croix, tu l'as désarmé. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. L'écho de ta victoire. Dieu a déjà gagné. Il est victorieux. Car tu es le roi ressuscité. Sur cette croix, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. C'est pourquoi il a désarmé la mort. Cet après-midi, nous allons poursuivre encore le thème de la foi. Ça va être la foi face aux peurs, face à la peur, face à l'angoisse, mais également la foi face à l'intimidation. Désarmant. Est-ce que Jésus, est-ce que dans ma vie, je reconnais que Dieu a désarmé ma crainte? Que Dieu a désarmé mon angoisse. Ça veut dire désarmer que cela n'a plus aucun pouvoir. Cela ne me fait plus peur. S'il y a une situation en face de moi, rien ne peut se faire. Parce que cela a été désarmé, c'est sans effet. Lorsqu'on prend une arme et qu'on retire le chargeur, est-ce que l'arme peut vous faire du mal? Est-ce que l'arme peut tuer une personne? Est-ce qu'avec cette arme, on peut menacer si le chargeur n'est pas dans le pistolet? L'arme est inutile. C'est ce que Jésus a fait. Il a désarmé. Mais parfois, l'incrédulité qui vient dans nos pensées, dans ce que nous voyons en face, nous pensons que
il y a encore des balles qui sont là et que ce qu'il y a là va nous faire du mal. Nous ne voyons pas ce que Jésus a fait. Et pourtant, nous le connaissons. Lorsque nous venons à l'église, la première chose que l'on apprend, c'est que Jésus est mort pour nous. C'est que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est la base. La base, c'est que Jésus est ressuscité. Allez annoncer la bonne nouvelle. Je suis ressuscité, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ce que l'on sait. On sait que Jésus a vaincu la mort, qu'il a gagné le combat. Mais pourtant, nous sommes comme ces hommes et ces femmes qui pensons encore être dans le combat et que nous sommes encore... la mort est encore son pouvoir. Oui, la mort est son pouvoir, mais lorsque je suis en Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir. Si je sais que la mort a été désarmée, je n'ai plus de crainte, je n'ai plus de peur, je n'ai plus d'angoisse. Nous allons voir quelques passages. Vous vous souvenez de cette histoire de Élie ? Qu'a fait Élie ? Qu'a fait Élie ? Qui a été vraiment, quand on lit la parole, on fait « Waouh, quel homme !» Il a massacré, égorgé 450 prophètes. Des prophètes de Baal. Incroyable, quand on lit l'histoire, comment les choses se sont déroulées. Quand les prophètes de Baal, toute la journée, ils criaient après leur Dieu, aucune réponse. Élie, il a fait quoi ? Il a versé de l'eau. Versa encore une deuxième fois de l'eau. Verser une troisième fois de l'eau, que ça soit bien humide, qu'il n'y ait aucune chance, que vous ne me dites pas, oui, parce qu'il y avait des étincelles, parce qu'il faisait chaud, donc ça, le feu a pris tout seul, que ça soit bien humide, le feu est descendu. Et là, égorgé à la suite de ça, 450 prophètes de Baal. Là, on pourrait s'arrêter là, de dire, mais Élie, voilà, l'a rétabli. Mais qu'est-ce qui est venu le décourager ? Jézabel, cette femme, Jézabel, que va dire Jézabel ? Jézabel, on va lire dans 1 Roi 19, verset 2. Je vais vous le lire. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Comment a réagi Élie face à cette menace ? Est-ce qu'il était confiant ? Est-ce qu'il s'est dit « Je suis plus que vainqueur parce que Dieu est avec moi. J'ai massacré 450 prophètes de Baal. Est-ce que c'est une femme, les menaces d'une femme qui va me faire peur ?» Il a fui. Il a même réclamé la mort à Dieu. L'incrédulité face à cette situation. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire qu'Élie c'était un homme de foi ? Avant cet épisode, la pluie, il était assis, il savait, il était convaincu que la pluie allait venir. Et là, tout d'un coup, c'est un autre Élie face à des menaces. Face à ces menaces, ce n'est plus le même homme. Il va prendre la fuite parce qu'une femme lui a dit « Demain, il t'arrivera ce que tu viens de faire à tous mes prophètes. » Sa vision s'est voilée. Il n'a plus vu ce que Dieu pouvait faire. Et parfois, c'est ce qui se passe. Notre foi est voilée, notre foi est obscurcie par des peurs, par l'angoisse. Là, il avait peur, Élie. Élie, il avait peur, il a pris la fuite. Ce n'est plus cet homme qui a massacré, égorgé par son épée. Et là, il n'a pas égorgé juste un prophète. Imaginez-vous la scène. Cet homme a eu peur. Sa foi, il a complètement été aveugle par cette menace. Il ne savait même plus
si Dieu était capable de le délivrer de cette situation. Seigneur, donne-moi la mort, elle va me faire mourir. Mais ce n'est pas le seul qui a eu peur. Il y a un peuple qui a eu peur face à Goliath. Vous souvenez? On peut le lire ensemble. Dans 1 Samuel 17, verset 24, on peut aller même jusqu'à 26. À la vue de cet homme, donc là on parle de Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Pour jeter à Israël un défi. Retenez ce mot défi. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. On va s'arrêter là, tout d'abord. Il n'y a rien qui vous choque. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera. On motive le peuple par une récompense du roi d'un homme. Il comblera de richesses. On va les appâter par les richesses de la terre, par une fille. Vous dites ça à un homme. Je te donne ma fille, Saül qui est roi. Il va être heureux, l'homme. Ça va être sa motivation. Donc là, on ne dit pas, pour le moment, on ne voit pas Dieu dedans. Il ne dit pas Saül. Saül, on est d'accord qu'il était loin de l'Éternel, non? Il a été choisi par qui, Saül? Et Saül va dire quoi? Le roi le comblera de richesses. À aucun moment, on va dire si quelqu'un tue ou faisons confiance à Dieu. Là, pour le moment, c'est entre nous. On règle l'affaire entre nous. Parce que nous avons peur, essayons de trouver une solution ensemble. Là, dedans, il n'y a pas du tout de foi. Verset 26. David dit aux hommes, à David qui vient, qui se trouvait près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Il pose la question, « Que fera-t-on ?» On a lu la réponse avant, n'est-ce pas ?« Que va faire le roi à celui qui tue ce Philistin ?» David pose la question, « Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va ôter l'opprobre ?» Parce qu'il s'est dit, peut-être il était là, il était témoin, il a entendu, il fait, « Mais ce n'est pas possible. » Qu'est-ce que l'on va faire ? Parce que peut-être on me dit des récompenses du roi, mais est-ce que c'est juste ça, les récompenses de la terre? Il repose la question. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Est-ce que David a eu la même réaction du peuple d'Israël? Là, on voit un jeune, il était jeune à cette époque, le jeune David. Qui est cet homme, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 27. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Il répète. Après, on peut voir au verset 37. Verset 37, ce qui est intéressant, c'est les discussions continuent. Et verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, la réponse de Saül, regardez, va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Saül, homme loin de Dieu, choisi par Dieu, sorti de sa petite tribu pour qu'il puisse être roi d'Israël. Saül va avoir le culot de dire à un enfant, va, que l'Éternel soit avec toi. Waouh, que l'Éternel soit avec toi. Mais Saül, t'es où? Toi, t'es un homme de guerre. Le roi, est-ce qu'à un moment donné, il a dit, non, Dieu est avec nous. Est-ce que Saül a encouragé le peuple? Je crois qu'à ce moment-là, Saül avait peur comme le peuple. Va, l'Éternel avec toi. Mais l'Éternel ne pouvait pas être également avec Saül, celui qui a été loin. Va, que l'Éternel soit avec toi. Parfois, on ne veut pas se confronter à nos peurs. Il y a des peurs devant nous, on préfère envoyer des autres personnes à notre place. Va, le Seigneur est avec toi. Nous n'avons pas la foi, mais nous avons la foi pour l'autre. Va, l'Éternel est avec toi. Je crois que l'Éternel est avec toi. Mais où est ta foi, David? Tu dis l'Éternel est avec moi. Mais est-ce que tu crois que l'Éternel est aussi avec toi ou pas? Là, Saül n'avait pas la foi que l'Éternel serait avec lui. La peur
La peur, parfois, nous dit que non, le Seigneur n'est pas avec moi. Pourtant, il a vécu des choses, Saül, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a oublié la façon comment il est arrivé au pouvoir? Est-ce qu'il a oublié tout ce que Dieu a fait pour lui? Et là, il va dire à un enfant, « Va, l'Éternel est avec toi. Va, l'Éternel est avec toi. » Moi, ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Je sais, mais quel culot, quelle audace. Saül, toi qui dois montrer l'exemple, le roi, toi le roi d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, où est ta foi dedans? La foi, c'est bien pour les autres. Je crois en Dieu, mais vas-y, va, toi, pas moi. La foi face aux peurs, face aux angoisses, face aux intimidations. Là, le peuple a été intimidé. Et face à ça, ils étaient complètement aveugles. Ils ne voyaient pas que le Seigneur était capable de les délivrer. Ils ne voyaient rien. Et si on voit même la définition de intimider, c'est remplir quelqu'un de peur, en imposant sa force, son autorité. Là, Goliath est en train de remplir chaque peuple d'Israël de peur. Il a même convaincu le roi d'avoir peur. Il a utilisé sa force, son autorité pour semer la crainte à ce peuple, pour pouvoir ôter leur foi, ôter leur espérance, ôter leur confiance. Ce matin, je suis rempli de quoi? Ou cet après-midi, excusez-moi, je suis rempli de quoi? Est-ce que je suis rempli de foi ou est-ce que je suis rempli de peur? Est-ce que je me suis laissé remplir de peur par une situation? Si je suis rempli de peur, la foi ne peut pas prendre sa place. Quelle est ma situation cet après-midi? Quelle est ma situation cet après-midi? Jésus va dire dans Matthieu 10, verset 19. C'est Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. On le connaît tous, ce verset. Et c'est un verset, on aime le réciter, le dire à des personnes quand elles sont inquiètes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ça, on aime dire ce verset. J'ai tel problème. Ne t'inquiète pas. L'Éternel est avec toi. Comme Saül. Ne t'inquiète pas. L'Éternel est avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Et quand on regarde même le grec d'inquiéter, il prend sa racine dans le mot anxiété, l'angoisse. Ne soyez angoissés de rien. N'ayez peur de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Là, la parole ne dit pas « attendez d'être inquiet ». Et ensuite, une fois que vous êtes inquiet, venez vers moi pour faire connaître tous vos besoins à Dieu. Non, c'est quelque chose. Si chaque jour, j'ai cette discipline de faire connaître à Dieu mes besoins, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. L'inquiétude ne commence même pas à taper à ma porte. Peut-être que l'ennemi essaiera, mais j'ai une confiance. Chaque jour, je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Est-ce que Élie, à ce moment-là où il a reçu la menace de Jézabel, a fait connaître ses besoins à Dieu? Non. Est-ce que Saül a fait connaître ses besoins à Dieu? Non. Ne vous inquiétez de rien. Et aujourd'hui, l'incrédulité, nous sommes incrédules parce que nous nous inquiétons pour tout. Nous avons peur de tout. Pandémie, la COVID est arrivée, nous avons peur. La guerre en Ukraine arrive, j'ai peur. On s'inquiète pour tout et pour rien. On commence à avoir un mal de tête, on s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une tumeur qui commence à arriver? Je commence à avoir mal au pied, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va devoir m'amputer le pied? On s'inquiète pour tout et pour rien. Et la foi disparaît. Nous sommes complètement aveugles et nous sommes juste préoccupés par nos inquiétudes. Nous ne voyons même pas la puissance de Dieu en face de nous. Nous ne voyons même pas que le Seigneur est avec nous. Parce que sa parole dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Mais quand nous sommes inquiets, nous sommes comme ces orphelins. Nous ne savons pas vers où nous tourner, vers qui nous tourner. Et nous nous inquiétons.
Nous préférons aller envoyer les autres personnes comme Saül. Va, l'Éternel est avec toi. Parce que j'ai peur. Je n'y arriverai pas. Et j'étais comme ça. Je vous ai raconté mon témoignage. Je faisais des crises de spasmophilie. C'est des crises d'angoisse plus encore intenses. J'allais à l'église, j'entendais la parole. Je savais que Dieu était là, qu'avec Dieu, je pouvais réussir le faire. Mais l'angoisse m'a ôté cette parole. L'incrédulité vient ôter ce que Dieu a mis en nous. Je pleurais, je me lamentais. Je n'avais foi en rien, pas d'espoir. Je ne pourrais même pas travailler. C'était les mots que je sortais de ma bouche. Je ne pourrais jamais travailler. Je ne pourrais jamais voyager. Je ne pourrais jamais aller manger même au restaurant. Je ne pourrais jamais aller dans un endroit où il y a de la foule. Parce que cela me fait peur. Cela m'oppresse. Je n'avais foi en rien. Et quand j'ai une peur, j'ai perdu toute espérance, tout espoir. Je me vois comme déjà mort. Je me vois comme déjà enterré, comme Élie. Seigneur, donne-moi la mort. Je suis déjà mort. Prends-moi, Seigneur, tout de suite. Si tu ne me prends pas maintenant, Jézabel va déjà me tuer. Je suis déjà mort. Élie se voyait déjà mort, alors qu'il venait de faire quelque chose de grandiose. Mais il se voyait déjà mort. Comment je me vois cet après-midi? Est-ce que je me vois comme un homme vivant? Un homme qui va triompher? Un homme victorieux? Ou est-ce que je me vois comme une personne morte, sans avenir? Où je m'inquiète sans cesse. Comment je vais dire les choses? Qu'est-ce que je vais faire? Il va nous dire également dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni ce que vous direz. Notre foi est éprouvée lorsqu'on est livré. Notre foi est éprouvée lorsque nous passons par des moments difficiles. Là, la parole dit quand on vous livrera. Quand on vous livrera, ne pas s'inquiéter. C'est toujours plus facile de ne pas s'inquiéter quand tout va bien, quand nous sommes sur notre canapé, tranquille, nous n'avons pas de difficultés, pas d'obstacles, il n'y a rien. Là, on n'a pas à s'inquiéter, n'est-ce pas? Mais c'est quand il y a des moments difficiles, c'est là où réellement on voit si nous avons la foi. Je peux rester assis inactif. Le consacré Léo a parlé de la foi active. Mais à l'inverse, la foi inactive, c'est une foi qui n'est pas éprouvée. C'est une foi qui ne connaît pas d'inquiétude parce que je ne fais rien. Je suis inquiété de rien. C'est lorsque je vais commencer à me mettre en mouvement. Élie, il a été inquiet. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en mouvement. Il a fait la volonté de Dieu. Il a servi Dieu. David, c'est lorsqu'il a défendu le nom de Dieu. C'est là où il s'est mis en mouvement. C'est là où les inquiétudes auraient pu venir. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, lorsqu'on ira vous livrer, lorsqu'il y aura des moments difficiles, lorsqu'il y aura des peurs qui viendront se présenter à votre porte, de l'angoisse qui viendra vous présenter à votre porte, ne vous inquiétez de rien. Je mettrai en vous tout ce que vous avez besoin pour pouvoir vous en sortir. Je peux dire mon exemple? Me tenir devant vous là, vous pensez que c'est quelque chose qui était facile pour moi? Vous pensez que je n'étais pas inquiété? Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Moi, cet enfant qui était timide, quand j'ai commencé à travailler, vous pouvez même poser la question à mon patron, vous le connaissez. Quand j'étais la première journée où je devais faire de la caisse, mon cœur commençait à sortir de ma poitrine. Un coup de téléphone, il fallait que je fasse les 100 pas avant de composer le numéro de téléphone. Imaginez donc me tenir devant des personnes et parler, prêcher la parole de Dieu, annoncer, exhorter. Waouh!
Vous posez la question à ma femme, des fois je suis dans l'appartement, je fais les 100 pas. Mais Seigneur, si tu m'appelles à ça, je vais le faire, je n'ai rien à m'inquiéter. Là, je n'ai rien, je ne sais pas quoi dire. Mais au moment même, à l'heure même, tu vas me donner ce que je dois dire. Mais c'est ça. C'est ça. C'est retirer toutes ces sécurités. La peur va nous amener à parfois s'agripper quand on a peur, ou on a ce réflexe humain où on se cripse pour attraper quelque chose. Ça, c'est la peur qui fait ça. C'est une réaction du corps. Lorsque j'ai peur, je m'agrippe à quelque chose, je me tiens à quelque chose. Mais quand le Seigneur, quand j'ai la foi en Dieu et que la peur disparaît, je n'ai pas besoin de m'appuyer, de m'agripper à quelque chose. Parce que je sais que Dieu va me donner. À l'instant même, la parole ne dit pas « vous sera donné dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines ». Allons, laissons passer déjà l'audience, le tribunal. Une fois que tu auras ta peine, on verra ce que tu as à dire pour ta défense. Non, à l'heure même. Et parfois, nous restons là crispés. Nous nous accrochons à quelque chose qui nous rassure, peut-être. Mais on ne s'accroche pas à la foi. Est-ce que cet après-midi, nous sommes ces hommes et ces femmes crispés comme ça, tout contractés, où on n'arrive même pas à lâcher prise? Mais la foi, c'est lâcher prise. L'incrédulité voudra toujours que l'on puisse se tenir à quelque chose sur la terre. Saül, je le comblerai de richesses. Tenez-vous à ça, à la richesse que je peux vous donner. Tenez-vous à la fille que je vous donnerai à la victoire. David s'en foutait. Il n'a pas été motivé à cause de ça. Hein. Il n'a pas dit au peuple, « Oui, je veux la fille du roi, je veux toutes ses richesses, je vais aller combattre Goliath. » Qu'est-ce qui a motivé David? Qu'on insulte l'Éternel, son zèle. C'était, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel? Parce qu'il avait foi en l'Éternel, foi en Dieu. Il ne s'est pas laissé impressionner par ce Philistin. Et à l'inverse, il ne s'est pas laissé impressionner également par les richesses. Parce que parfois, on peut essayer de vaincre nos peurs parce que nous savons qu'il y a quelque chose au bout, il y a une richesse où quelqu'un nous tend le bâton. Tiens, si tu fais ça pour moi, je te donnerai ça, puis on y va. Mais on n'affronte pas réellement nos peurs. Ne pas nous inquiéter, frères et sœurs. Et l'incrédulité nous amène à nous inquiéter. L'incrédulité nous amène à se poser mille et une questions, à avoir que le côté négatif, à avoir que ce que le monde nous montre. Et on oublie complètement ce que Dieu fait dans notre vie. On peut lire le passage qui se trouve dans... Alors... Le passage qui se trouve dans Jean 20, au verset 11 jusqu'à 17. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit, en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans cette histoire, on voit Marie aller au sépulcre. Et là, elle voit que le sépulcre est vide. Et elle a confondu Jésus par le jardinier. Pourtant, ses yeux étaient en bonne santé. Marie n'était pas une femme aveugle. Mais elle était angoissée. Où est Jésus?
où est Jésus ? Où vous l'avez mis ? Elle dit ça aux deux hommes. Où vous l'avez mis ? Elle se retourne, elle voit Jésus, elle le confond pour le jardinier. Ils ont enlevé mon Seigneur. Où il est ? Cette peur. Parce qu'elle suivait les traditions également à cette époque. Il fallait embaumer le corps. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une peur, une angoisse. Mais où ils l'ont mis ? Où il est ? C'est quoi encore cette histoire ? Tout d'abord, ils ont sacrifié le Seigneur. Ils l'ont tué. Et maintenant, je ne le vois plus. Il est où ? Cette incrédulité. Et Marie, on savait que c'était une femme qui aimait s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter, n'est-ce pas ? Elle n'allait jamais aller à droite, à gauche. Elle écoutait la parole de Dieu. Et à ce moment-là, elle a été complètement aveuglée. Son incrédulité l'a empêchée de voir ce qui était en face d'elle. L'a empêchée de voir Jésus en face. Son incrédulité a complètement faussé sa vision. La tradition, ce qu'elle devait faire, elle était venue pour quelque chose de ce qu'elle devait faire, l'a complètement perturbée. Aujourd'hui, parfois, notre peur, notre angoisse nous rend aveugles, nous empêche de voir ce qu'il y a en face de nous, juste à côté de nous. Jésus nous parle, il est là et on ne l'entend pas. Jésus nous parle et nous pensons que c'est autre chose parce que nous avons cette peur, cette angoisse. L'incrédulité m'empêche d'entendre ce que Dieu a à me dire, m'empêche de reconnaître le Seigneur. Un homme également qui a été saisi par la peur, par l'intimidation. Moi, Seigneur, j'irai mourir avec toi. Jamais j'irai te renier. Moi, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Ok, Pierre, merci. Qu'a fait Pierre ? Il a renié Jésus. Il l'a renié une fois ? Il l'a renié deux fois ? Il l'a renié trois fois. Et pourquoi il l'a renié ? Parce qu'il craignait sa vie, il avait peur. S'ils ont réussi à arrêter Jésus, s'ils vont l'amener pour se faire sacrifier, crucifier, mais moi, qui a marché avec lui, qui était auprès de lui, je vais mourir également. Ils vont me tuer également. Il a renié. Il a renié sa foi. Jésus leur a parlé à plusieurs reprises qu'il devait mourir. Il les a prévenus qu'il ressusciterait. Mais tout ça a disparu. L'incrédulité a fait disparaître toutes les paroles que Jésus avait adressées à Pierre et aux autres disciples. Il a renié Jésus parce qu'il a eu peur. Et aujourd'hui, c'est intéressant de se poser la question, combien de fois je renie Jésus à cause de mes peurs ? Je peux marcher avec Jésus, je peux croire en Jésus, je peux aller à l'église chaque dimanche. Mais les peurs m'amènent à renier Jésus. Mes peurs m'amènent à lui tourner le dos. Mes angoisses m'amènent à lui dire « Non, je ne le connais pas. » Cela m'amène à faire une croix sur ma foi parce que j'ai peur. Combien de fois j'ai renié Jésus face à des difficultés ? Quelque chose de tout simple. Une facture arrive, comment je vais la payer ? C'est impossible. Je renie Jésus parce que je ne crois pas qu'il est capable de solutionner ce problème-là, cette situation-là. Je n'ai pas de travail, comment je vais faire ? Je renie Jésus parce que je ne suis pas capable de croire que Dieu va me donner un travail. La foi face aux peurs, face à l'intimidation. Que cet après-midi, nous puissions prier ensemble. Mardi dernier, nous avons prié contre l'intimidation parce qu'aujourd'hui, on se laisse beaucoup trop influencer par l'ennemi. L'ennemi vient remplir notre cœur, notre pensée, nous remplir entièrement de peur. Il vient imposer son autorité et sa force. Et nous voulons que cela change.
Nous voulons vraiment que notre foi puisse être une foi inébranlable. Que notre foi ne puisse pas divaguer face aux peurs, face aux angoisses. Que cet après-midi, nous puissions prier contre toute intimidation, contre toute peur, contre toute angoisse qui peut se présenter dans notre vie. Je vais vous inviter à vous lever. Que nous puissions prendre autorité et dire « Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, combien la peur m'a fait faire demi-tour, combien la peur m'a empêché de croire, à avoir cette foi. Combien de fois j'ai fui devant des situations, combien de fois j'ai fait demi-tour, combien de fois j'ai préféré envoyer quelqu'un d'autre plutôt de faire face à mes peurs, en pensant que la personne à mes côtés pourrait solutionner les choses. Mais Seigneur, toi seul es capable de solutionner les choses. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur Jésus, nous venons devant toi, Père. Tu connais, Seigneur, ce qui nous fait peur. Tu connais ce qui nous intimide. Tu connais ce qui peut venir nous angoisser, mon Dieu. Tu vois combien, Seigneur, Père, nous reconnaissons que nous n'avons pas réellement foi en toi. Nous sommes des hommes et des femmes incrédules. Nous nous laissons emporter par nos peurs. Nous nous laissons influencer par nos angoisses, Seigneur. Et nous te renions. Nous te renions parce que nous ne croyons pas que tu es capable, Seigneur Jésus, alors que nous savons que tu as déjà gagné le combat. Que tu as déjà désarmé la mort, que tu as désarmé, Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi voulait faire dans ma vie, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Et nous voulons le croire, nous voulons poser notre foi, Seigneur, cet après-midi, Jésus. Nous voulons le dire de notre bouche, Jésus. Je n'ai plus peur, parce que je suis ton enfant. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est ce que nous voulons chanter, Seigneur, cet après-midi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Que nous déclarons. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, Seigneur, tu m'as libéré de la peur, Seigneur. Je suis. Cet après-midi, je dis que je suis ton enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus. Alléluia. Alléluia. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Disons-lui, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi, je suis. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant.
je suis enfant de Dieu. Nous allons remettre 1 Samuel 17, je crois que c'est au verset 25. On veut vraiment prier cet après-midi. La parole ne cesse de ressortir, c'est toujours la peur, c'est toujours l'intimidation. Il dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Goliath s'est avancé devant l'armée d'Israël pour jeter un défi. Et encore cet après-midi, on veut prier. Le diable amène des défis dans nos vies pour nous intimider. Mais c'est vraiment la foi dans la peur, la foi dans l'intimidation. Le Seigneur veut dire à quelqu'un cet après-midi, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai appris ça il y a quelques jours, la notion quand Dieu dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Vous savez combien de fois on retrouve ce verset dans la Bible ? Ah, c'est bon, il y a des bons étudiants. 365 fois. Il y a combien de jours en une année ? 365. Waouh ! Comme si Dieu nous disait chaque jour, ne crains pas, n'aie pas peur. Alléluia ! Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais ce passage veut dire également que dans les difficultés, dans l'intimidation que l'ennemi veut amener ou quoi que ce soit, chaque jour, il te donne la capacité de surmonter cette peur. C'est pourquoi il dit ne crains pas 365 fois dans la parole. C'est qu'il te donne la capacité, comme dit sa parole, aucune situation ne peut être au-delà de tes forces. Mais c'est la foi, comme a dit son serviteur. Et on veut vraiment prier pour sceller cette parole. Le Saint-Esprit amène sans arrêt ce point de la peur, de l'intimidation. Prions vraiment que nous puissions marcher. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons devant toi, conformément à la parole que tu as confiée encore à ton serviteur cet après-midi. Ce chant que nous avons chanté, je ne serai plus esclave de la peur. Seigneur, nous reconnaissons combien cet esprit de peur peut asservir un homme et une femme. Le peuple d'Israël était complètement intimidé, bloqué face à cette situation de Goliath qui était venu du haut de ses 3 mètres, intimider le peuple d'Israël. Mais tu as localisé un David qui était dans les champs, qui était avec les animaux, qui n'était même pas sur le devant de la scène, il ne faisait même pas partie de l'armée d'Israël. Il était simplement venu ramener, il est dit, à manger pour ses frères. Et il a vu cette situation. Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi. La foi contre la peur, la foi contre l'intimidation. Je ne sais pas quelle situation encore peut-être le Saint-Esprit met devant tes yeux cet après-midi, où tu as cédé à la peur, tu as cédé à l'intimidation. C'est ce Goliath qui vient faire ce bruit. Il est dit que cela a duré 40 jours où Goliath se levait le matin, il allait devant le peuple, il criait et là le peuple était complètement intimidé. Peut-être ta situation également dure depuis plusieurs jours. Ton Goliath se lève chaque jour pour désactiver ta foi, pour t'intimider. Et cet après-midi, prenons position encore. Seigneur, nous venons devant toi encore. Tu dis que ton nom a été élevé au-dessus de tout nom. Ton nom a été élevé au-dessus de la peur. Et je veux encore prier cet après-midi contre l'esprit de peur. Nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant n'a pas peur de son papa. Il sait que son père lui accorde tout ce qu'il désire. Nous détruisons cet esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Cette situation, cette relation, peut-être dans la famille, au travail, cette maladie, ou quoi que ce soit qui est venu t'intimider, nous refaisons la peur, nous refusons la peur, nous refusons la peur cet après-midi. Que là où tu es, tu puisses déclarer simplement à haute voix, je refuse de céder à la peur. Que ce soit une déclaration, je refuse de céder à la peur. Je refuse de céder à l'intimidation de l'ennemi.
Alléluia. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alléluia. Déclarons une dernière fois, je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Merci Père, parce que nous sommes tes enfants. Viens encore nous remplir de ta foi, de ton amour. Nous voulons te dire que nous t'aimons encore cet après-midi. Depuis ce matin, tu nous as encore enseigné, tu nous as encore parlé de la foi. Et tu nous montres encore que nous devons faire ces pas de foi. Tu nous as donné cette mesure de foi, oui, mais l'ennemi vient. Nous avons vu Élie. Malgré sa foi, a été extraordinaire, mais dans cette autre situation, il était complètement découragé, déprimé, la dépression. Seigneur, que nous puissions toujours garder les yeux fixés sur toi. Peu importe nos situations que l'ennemi veut amener, nous gardons les yeux fixés sur toi. Parce que nous savons que même si nous ne comprenons pas les situations, toi tu vois au-delà. Et tu veux que nous marchions comme dans la simplicité, comme un petit enfant. Il ne comprend pas les chemins, les décisions peut-être que son père prend, mais il sait, non, mon père prend soin de moi. Il prend soin de moi. Et c'est ce que tu nous dis encore cet après-midi. Ne crains pas, n'aie pas peur, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour la foi, l'assurance que tu renouvelles, que tu déposes dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est juste ce mot qui vient. Ce matin, le serviteur a parlé de les différentes épreuves de la foi, les domaines dans lesquels nous pouvons éprouver notre foi. Et le Seigneur veut juste dire à quelqu'un cet après-midi, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve dans cette situation, ce domaine que tu traverses. Mets-moi simplement à l'épreuve et tu verras ma gloire. Tu sais au fond de toi ce que le Seigneur t'a demandé de faire, ce pas de foi. Et à cause de la peur, à cause de l'intimidation, tu résistes. À cause de la peur, de l'intimidation, tu remets sans cesse au lendemain. Le Seigneur te dit encore cet après-midi, ne crains pas, n'aie pas peur et mets-moi à l'épreuve dans ta situation. Et tu verras ma gloire, tu verras le Saint-Esprit agir puissamment dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Si un choriste inspiré peut vraiment prier, clôturer ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Jésus. Bénissons, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur,
Ah, mon Père éternel, Dieu Seigneur, je te bénis simplement, Papa, pour ta parole. Père éternel, Dieu Seigneur, je te bénis parce que je crois, Seigneur, qu'elle a parlé à chacun de nos cœurs, Père éternel, Dieu. Et Père éternel, comme nous l'avons vu mardi, Seigneur, encore, nous ne voulons plus nous arrêter, nous ne voulons plus reculer, Papa, Seigneur, mais avec le peu de force, Seigneur, que nous avons, Seigneur, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Et Père éternel, Dieu, Seigneur, Jésus, nous voulons juste mettre la peur de côté. Nous voulons juste, Père éternel, Dieu, Seigneur, mettre l'intimidation de côté, Seigneur, et avancer avec toi, Seigneur. Amen. Même si, Père éternel, Dieu, Seigneur, c'est pas rassurant forcément, Papa, mais nous voulons te faire confiance, Seigneur, parce que tu es avec nous, Père. Tu es Emmanuel, Seigneur, celui qui est là, Seigneur Jésus, à nos côtés, Seigneur. Et nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que tu ne nous laisses pas, Seigneur Jésus. On a vu que, Père, tu ne nous laissais pas orphelins, Seigneur Jésus. Et nous croyons simplement en ta parole, Seigneur, avec la mesure que tu nous as donnée, Papa, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu seras celui, Seigneur, qui nous amènera, Seigneur, à avoir encore plus confiance, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur, en ta parole, Seigneur Jésus, ou en capacité, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, au Saint-Esprit, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui nous équipe, Seigneur Jésus, encore, Seigneur, qui nous dote de cette assurance, Père éternel, Dieu, Seigneur, dont nous avons besoin, Père éternel, Dieu, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu agis puissamment, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous pousse, Seigneur, à faire les choses, Seigneur, pour toi, Papa, Seigneur. Et la peur, Seigneur, n'a pas sa place, Père éternel, Dieu, Seigneur, dans le service, Papa, Seigneur. Donc, Père éternel, je te bénis parce que, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Je te bénis pour ces instants, Seigneur, de grâce. Je te remercie parce que ton Saint-Esprit nous a parlé, Seigneur, nous a saisis. Je te bénis, Père éternel, Dieu, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu vas continuer à nous parler durant cette semaine. Tu vas continuer de nous enseigner. Tu vas continuer, Seigneur, de te révéler à nous, Seigneur, parce que nous espérons en toi, Seigneur Jésus. Merci de ramener chacun, Seigneur Jésus. Chacun, toi qui étais, Seigneur Jésus, l'alpha, Seigneur, merci parce que tu es l'oméga en ces instants, Seigneur. À toi, non seul, Seigneur, donne gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, dans le nom précieux de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, encouragés, fortifiés dans toutes vos activités cette semaine. Quelques annonces rapidement. Est-ce qu'il y a le PowerPoint des annonces ? Voilà, donc veillée de prière, comme ça a été dit, donc vendredi 2 septembre à partir de 21h. Veillée de prière, amen, ouvert à tous. Et la deuxième annonce, culte de célébration pour les 8 ans d'ACP. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur pour les 8 ans ? Alléluia. Satan a voulu nous intimider, mais si nous sommes là, c'est parce que c'est la foi. C'est la foi qui fait qu'on est dans ce lieu-là. Amen. D'autres peut-être auraient été découragés, auraient déjà abandonné, mais si on est là, c'est parce qu'on n'a pas cédé à l'intimidation ou quoi que ce soit. Le serviteur a gardé le cap de la foi et c'est ce qu'on fait qu'on est là aujourd'hui. On veut vraiment le célébrer. Le célébrer. Amen. Donc ce sera le dimanche 11 septembre à partir de 11h. Ramenez vos mets les plus délicats, les plus succulents. Ah oui, hein. Et allez voir donc le protocole pour dire qu'est-ce que vous allez amener. Amen. Voilà, soyez bénis et on se dit à mardi. Ambassade chrétienne pentecôtiste, ACP, un ministère qui touche en transformant sur la longueur et sur la largeur, en hauteur et en profondeur, le cœur du monde. Notre mission primordiale, c'est valoir vos potentiels, vos capacités à affronter l'avenir avec bravoure, détermination et efficacité. Car le monde attend, avec un ardent désir, votre manifestation et l'impact de votre foi dans votre quotidien. Un enseignement, un évangile captivant, destiné à rétablir votre équilibre physique, moral, intellectuel et votre bon sens.